Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, il y a eu quelques petits changements. Et on les avait fait ensemble, les moteurs, je crois. J'ai rajouté donc les conteneurs pour... tout simplement pour que ce soit un peu plus pratique, pour que ça puisse stocker un petit peu le RAM de production par rapport à juste garder tout ça dans les assembleuses. Vous voyez en haut à droite de l'écran, j'ai également commencé les objectifs de la phase 2 pour l'ascenseur spatial, voilà, pour débloquer de nouvelles technologies, parce que bah, j'ai débloqué tout ce qu'il y avait actuellement pour le hub ici présent. Ici, voilà. Alors, on est au palier 4, il y a tout débloqué. Ensuite, j'ai pas mal trifouillé dans le MAM au niveau des recherches, donc j'ai débloqué certaines choses. Hop, on va faire un petit point vite fait sur ce que je peux construire, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, il n'y a rien. Oui, tout ce qui est support de convoyeur, mais ça c'est autre part, je vous montrerai. Là également c'est autre part, je vous montrerai. Aussi. Peut-être les hypertubes, ouais, les gares routières tracteurs, ça on verra un peu plus tard. Ça on verra plus tard également. En fait, il y a tout qu'on verra plus tard ou... Et bah, tout ça on verra plus tard également. On va le voir maintenant. J'ai fait le magasin Awesome. Et qui pour cela en fait en échange de tickets, de coupons par contre, pardon, de Fixit coupons, on peut débloquer des choses, par exemple des convoyeurs de plafond, des supports de plafond pour convoyeurs, mural ou passage à travers le sol, ultra pratique, vous verrez, c'est ultra pratique. J'ai également ramené, alors j'ai fait un long chemin pour ramener du quartz. Alors pourquoi je l'ai pas fait avec vous? Parce que c'était tout là-bas. Vous voyez ici c'était déjà galère à aller chercher le charbon. Et bah c'était tout là-bas. Tout là je veux dire, ouais. Sauf que j'ai dû passer par la côte. Puis revenir ici. C'était un délire. Ouais, il y a bien eu 3 ou 4 km à ramener donc deux hauteurs de convoyeurs de quartz. Bon grâce à ça, ça m'a permis de débloquer de la silice. Bah je suis complet en silice pour le coup. Qui servent à 2-3 trucs, pas grand chose. Et des cristaux de quartz, pareil, il me semble pour l'instant ça sert pas à grand chose, mais plus tard ça pourra. J'ai fait une ronde pour ramener du cathérium. Pareil, assez loin. Je me demande si c'est pas là-bas justement le cathérium. Vous savez quoi? Hop, je vais vous montrer. Cathérium. Je vais en chercher un là-bas, déjà vous voyez avec le temps que ça met à trouver, ça prouve que c'est loin. Au moins je le ramène de tout à fait autre part. Ah non, je le ramène de là, ça va. Donc le cathérium je le ramène de là, bon mine de rien ça fait quand même son petit bon de chemin. Et le quartz. Et voilà, il y avait un truc de cathérium là-bas mais j'ai eu la flemme. J'en ai trouvé là mais je l'avais pas trouvé sur le coup. Je suis un peu déçu. Et là j'en ai exploité deux. À cet endroit là. Et pureté, je crois que j'en avais deux purs. Ouais, ce sont deux purs. Le cathérium, oui, qu'est-ce que j'en fais actuellement? Le cathérium, bah, j'ai pas grand chose à en faire. Je peux en faire qu'une chose, du fil. Non, c'est pas une blague, hein. Je peux en faire que du câble cathérium, donc je le fais fondre. 3 de minerai pour un lingot. Et ça me donne du fil actif. Donc un lingot me donne 60 fils actifs. D'ailleurs, j'ai vraiment pas d'autres recettes. Voilà. Vu que ça me produit. Vu que ça m'en produit une chier littéralement. Parce que là j'ai deux conteneurs industriels là que je garde ici pour en avoir un peu, mais vous voyez ça se remplit très très vite. Ça fait pas très très longtemps que ça tourne. Bah qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans un broyeur Awesome et à force d'embroyer. Donc je fais rentrer mes fils actifs.
Et plus la chose que je broie est difficile, on va dire, à craft, plus ça avance, etc. Plus ça va me rapporter de points. Là, je suis à 5000 points par minute. Et ça augmente à chaque fois, en fait. Et petit à petit, ça m'augmente tout simplement le nombre de coupons. Bon, autant dire, c'est long. C'est vraiment long. Ce qu'on va faire ensemble pour cet épisode... Ah, il y a ça aussi. Il va falloir que j'augmente la capacité de production de ma centrale à charbon. Parce que je suis limite au niveau conso d'Elec. Hop, je vais vous montrer. Conso max, je suis à 959 mégawatts, si j'en consomme environ 600-700 mégawatts, je veux dire, en moyenne, bah suffit que tout fonctionne d'un coup et je suis dans la mouise. Donc faudra que je fasse ça, mais je le ferai hors épisode, hein, faut pas déconner non plus. Parce que bon, c'est répété un peu ce que j'ai déjà fait, donc je pense pas que ça vous intéresse. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est... On va faire un deuxième... Hop, c'est où? Voilà, une deuxième foreuse de calcaire. Hop. Et on va ramener le tout ici, qui va remonter ici. Pourquoi faire? Ah, j'ai plus de poutre en acier, c'est terrible. C'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup de poutre en acier pour le... Bah, pour terminer la phase 2 en fait du... de l'ascenseur spatial. Et autant dire, c'était combien j'ai calculé? 6000. Ah, il me faut 6000 poutres en acier pour l'ascenseur. Bon là ça va, j'ai ce qu'il faut. J'ai économisé assez. On entend dire que 6000 poutres en acier, il a fallu les trouver. Et j'ai pas tout mis parce que j'ai pas assez de place dans les conteneurs en haut. Ouais, c'est une dinguerie. Hop. Ah oui, si, regardez, vous avez peut-être vu. J'ai également les décathlons, c'est pour ça que je cours beaucoup plus vite. J'ai également des parachutes, mais c'est pas utilisation illimitée, donc c'est pas ouf. Et c'est pas fameux. Et on a très vite de les utiliser en fait, il suffit d'appuyer sur espace quand on est dans les airs. Et on en a plus. Je me suis fait avoir une fois, j'ai sauté de tout en haut. C'était de tout là-haut. Vous avez aussi mangé un parachute? Non, j'avais pas de parachute. J'ai eu de la chance, je suis resté à un demi point de vie. Vraiment, j'ai eu de la chance. Mais pour le coup, il y a des jours comme ça. T'es content. Je vais faire monter mes ressources par ici, tout simplement. Donc, un ici, un là. Non, c'est pas là. Hop là. Je suis en train de me dire, j'ai pas d'alimentation en élec. Donc. On va faire ça. Je vais alimenter derrière. Voilà. Comme ça, les deux sont alimentés. Si je me trompe pas, j'ai une conso, une prod, je veux dire, pardon, 220. Autant pour moi. J'ai une prod de 220 de calcaire. Oh oui, et regardez. Ça va être magique. Là, plus besoin de faire le tour pour monter. Car j'ai inventé l'échelle. Enfin, j'ai inventé. J'ai débloqué l'échelle. Ah, ça change tout. Hein. Ça change un homme, hein, comme on dit. Oui. Alors, on a le milieu qui est là.
Voyons voir. Logistique, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là. Convoyeur vertical MK3. Donc mon convoyeur que je vais mettre là, hop, dans ce sens, que je vais faire monter comme ceci, et bien sûr que je vais doubler vu que j'ai deux lignes. Je suis à 120, je pourrais en mettre qu'un. Si je les regroupe vu que je suis à 120, ouais, c'est pas con ça. Voyons voir. Non. Merci, voilà. Béton, 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 béton. C'est 45 par minute. À 240. Faudra que je divise par 6. Divisé par 3, divisé par 2. Ça me va. Ouais, donc je vais les regrouper là. Je vais changer un peu mon... ce que j'avais prévu. Je vais redescendre. Bon, pour descendre, ça reste plus facile de sauter. Surtout avec les décathlons, je prends moins de dégâts de chute. C'est pas mal. Donc on va changer tout ça, on va dire là, hop. On est entré comme ça. On est entré comme ça. On a un groupeur là. Voilà. On a un groupeur là. Hop, logistique. Et je suis centré là. Ok, je suis centré. Alors, attends, l'entrée est dans quel sens? Oui, c'est bon. On peut monter haut ça? Ah, c'est haut quand même. Voilà. Là, on avait dit... il fallait 6 constructeurs, et bah, et maintenant qu'on a trouvé une magnifique technique. Est-ce que 1 ça va suffire? Je pense pas. Ça risque d'être tendu. Hein. Divisé par 2. Allez, répartiteur. Je pense que là on est bon. Pas du tout, on est un peu trop près. Donc divisé par 2. Et ouais, ça risque de faire près là. Ça risque de faire proche. Est-ce que ça marcherait si je le mets là? Non, parce que je dois diviser par 3. Je vais rechanger mon truc. N'arrête pas. Hop, on va le mettre là. Notre convoyeur vertical. Un peu plus collé s'il vous plaît. Je sais dans quel sens. Yes. Voilà, donc divisé par 2, un de chaque côté. C'est un grouper. Non. Diviseur qu'il me faut. Donc, divisé par 2. Il faut que je redivise par 3, sachant que j'en ai 1, 2, 3. Ah, c'est faisable en vrai. Parce que là, on a nos...
un autre truc qui partiront comme ça. 1, 2, 3, 4. On fait dans, on essaie de faire dans l'économie de place. Hein. Enfin, de, oui, c'est ça. Voilà. Ah non, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud là. Parce que lui là, va falloir la monter, l'alimenter, je sais pas comment, trop comment. Genre un coup comme ça. Oh, je vais essayer de toute façon. Comme on dit, essayer n'est pas gagner. Mais tu ne gagnes pas sans essayer. Voilà. Répartiteur, répartiteur. Ça va être un joyeux bordel là comme ça. En vrai, j'ai pas le choix que de le mettre comme ça là. Le problème c'est que là. Pas facile. C'est pas facile donc je vais le faire à l'envers. Là je vais dire. En vrai là il passe. J'arrive à faire la même chose comme ça. Ok, là ça passe. Alors là, c'est un peu moche par contre. Fameux, c'est pas terrible là, hein. C'est, je peux pas. Là ça passe, mais là ça passerait pas. Hein. Ah ouais. Yeah. Ok. Ah bon. C'est pas très beau. Hein. Il est là, là, comme ça. Et là, je pense que ce sera pire parce que. Comme du convoyeur, on n'est pas adapté. Bon. Comment ça? Ok, ouais. Là, je présume que c'est pareil. De toute façon, en plus, ça me gênera. Ah non, c'est pas, ça me gênera pas forcément, tiens. Ok, là, c'est pareil. Ah, réussir, on va trouver un truc. Ok. Là ça passe. Et ça se touche, c'est chelou. Alors ça, ça se touche, c'est chelou, mais... Mais c'est pas imbriqué. On dirait. Mais pas du tout. Ah si, totalement. Merde. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire autrement? C'est-à-dire que là... Ça touche ou pas là?
Là ça touche pas hein. Ouais mais non mais là ça touchera. Là ça touche pas mais la partie après... J'ai pas l'impression que c'est pas propre. On peut essayer hein. Rush. Non c'est propre. Et est-ce que j'aurais pas trouvé? Parce que là moi à partir de là ça me gêne plus. Sachant que ça là ça viendra là. Je peux même faire arriver oui, regardez, regardez, hop, si je le mets comme ça même par exemple à l'arrache, ouais ça sera bon. Là ça se passe bien. Je pas. Ok c'est validé. Ensuite donc mon répartiteur. Mon répartiteur c'est là où il va falloir être bon. Imaginons que je le mets comme ça. Comme ça c'est pas bon. Ça, attends vraiment c'est pas bon. What? Oh c'est encore cassé ça. Bon. C'est pas grave, on va le mettre plus loin. Deux, donc lui il en faudrait un comme ça. Voilà. Ça c'est pas grave, ça peut sortir un peu sur le côté, ce sera pas moche. Bah oui je peux le mettre comme ça sinon. Je pense. Ou non. Si si. Totalement. Regardez-moi ça. Hop hop, bon c'est juste pas du tout bon sens, mais bon. Voilà. Là. Là ça rentre. Là. C'est bon. Et là. Oh non, pas comme ça. Oh non, pas après tout ce que t'as fait. Je pense que là ça passerait hein. Yes. Bouh. Compliqué mais ça passe et ça se touche pas, enfin ça se superpose pas, regardez, ça se touche mais ça ne se superpose pas, voilà. Ou alors ah ça se touche là un peu, oui mais on voit pas que ça traverse donc c'est bon. Donc on va faire la même, on va faire la même. Alors comment j'ai fait moi? J'ai fait ça. Ça. Lui je l'ai fait avancer là. Ça, ça part en sortie ici. Ça, ça part comme ça. Je vais même le faire un pouille à moins large, non? Oui, il est moins large ici. Hein. Ah, 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 laisse-moi, merci. Voilà. Et voilà, et là je suis sûr que je peux même gratter encore un peu de place. Là. Je suis sûr que je peux le faire venir là. Voilà. Et pareil ici. Ou pas. Non, celui-là il est vraiment. Il est vraiment ric-rac. Hop, voilà. Donc là on obtient bien un petit pattern.
suite c'est comme ça, c'est comme ça. C'est de mon mémoire de tête, je l'ai pas fait depuis. En même temps j'ai mémoire, j'en ai fait tellement que normalement c'est bon. Ensuite c'est quoi? Non c'est pas comme ça. Quoi j'en ai fait beaucoup mais c'est toujours pas bon. Voilà, là il y a de la hauteur. Là il y a de la hauteur, là c'est au milieu, il n'y a pas de hauteur. Là il y a de la hauteur, là aussi. Là il n'y a pas de hauteur, et là, hop. Tout au même plan. Hop, et ici. Rebelote. Là il y a de la hauteur, là. Pas de hauteur, pas de hauteur, hauteur. Et enfin. Pas de hauteur, pas de hauteur, pas de hauteur, pas de hauteur. Ok. Ah, on se dit, c'est un sacré foutoir quand même. Hein. En fait, pas tout va bien se passer. Tout devrait bien se passer. Hop là. On place nos constructeurs. Que je vais. Paramétrer avec du béton. Je suis en train de penser à quelque chose. J'ai besoin d'un peu de béton pour faire de l'acier un peu plus loin. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé du tout. Donc je vais mettre que 2 d'épaisseur. Je vais mettre que 2 d'épaisseur pour l'instant et je laisse ce qu'il faut au cas où j'arrive à retrouver des mines plus tard. Parce que là en calcaire on a quoi? Si on a un troisième plus assez proche, je vais y aller vite fait. Mais... Il est pas à côté. Hein. Et les deux que j'exploite. 175 mètres. Après. Oui, bah vous savez quoi? Le dernier, je l'enverrai justement exprès pour le là-bas. Pour la construction de... Ah mais non, c'est du béton, c'est pas du calcaire dont j'ai besoin. Oh, c'est bon. Hop. Allez, ça part. Pourquoi je me prends le chou, moi? Y a pas de raison. Hop. Béton. Et la petite dernière. Du béton. Voilà. On va faire avancer tout ça. Hein. Hein? Pour comment ça, je suis pas dans le bon sens? Pardon? Ah, c'est un groupeur que j'ai mis! Ah, terrible! Partiteur, allez, c'est parti. Ça aussi, ça va être dans le mauvais sens, du coup, non? Totalement. Il est décalé. Oui, voilà. Voilà qui est mieux.
Ensuite. Hop, ça va là, ça va là, ça va là. Il est où? Il est là. Je le voyais pas, vraiment. Non, 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 toi tu vas là. Là, hop, ça bifurque. Je suis bloqué par. Oh, terrible. Ah, comment j'ai fait? J'atterris où là? Hop, bonjour, bonjour, merci. J'ai cru que j'étais en sandale pendant un moment. Pas du tout. Hop là. Hop là. Là. On va terminer notre petite ligne. Ouais, j'aime beaucoup ce pattern. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ouais, j'aime bien. Je suis sûr qu'il y a plus optimisé en vrai. À un moment, je regarderai. Enfin, je regarderai. Je prendrai du temps pour voir si j'arrive pas à me plus optimiser, c'est-à-dire peut-être une certaine longueur, etc. Enfin, rien que là, je me dis, si j'arrive à mettre ça sur deux, à mettre un, je peux, hein, mais regardez là, si par exemple je mets ça là, hop, et que je fais passer des trucs au-dessus, je peux largement faire encore une quatrième profondeur, parce qu'à chaque fois j'ai forcément un endroit où j'ai du passage possible. Donc là le qu'est-ce que j'ai foutu là? Oula oula oula. Et ah ouais, donc vraiment j'ai pas besoin de oh, je mets ça pour l'esthétisme, on va dire. Parce que là, en vrai, là, j'ai ce passage où c'est un peu compliqué. Mais, quoique, en vrai, on va faire un test. Là, si je dis, va comme ça. C'est limite. C'est limite. Mais ça, je suis à peu près sûr que. Regardez. Là, j'ai ça. Au lieu de dire il est droit, je le mets comme ça. J'arrive comme ça, je le fais passer là. Ça passe tout seul. Et là, je peux faire passer en hauteur un. Hop. Là, je pourrais faire passer en hauteur. Genre. Faut que j'arrive à trouver où, mais je suis sûr que j'ai un bon petit passage. Voilà. Comme ça. Bah si, comme ça, parce que là ce sera redécalé. Et c'est ça, j'ai trouvé le moyen de faire à 4 d'épaisseur. Bon bah là j'en ai pas besoin, donc je vais repasser à du 3. Sur du 3, je veux dire. Très bien ça, très bien. Hop. Comment optimiser? Et comment je suis sûr, il y a encore moyen d'optimiser, c'est ça qui est génial. Allez, on refait notre bazar. Voilà. Bah en fait c'est presque bon là. C'est déjà presque fini. J'ai plus qu'à alimenter tout ça. Comment je les alimentais déjà moi? Ah oui, je les alimentais comme ça je crois. Ouais. Oula 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 oula. Hop, un comme ça.
Un comme ça. Allez comme ça, hop, on relie. Pas du tout. Pas du tout là. C'est pas du tout cela, parce que là il passe à moitié au travers par au-dessus, c'est pas beau. Voilà. Là comme ça c'est mieux. Chaque poteau a son propre truc et est relié en même temps aux autres poteaux normalement. Oui, c'est pas optimisé comme d'hab. Commencez à le voir venir. Mais je trouve ça plus esthétique. Poteau ici. J'ai mis comment là-bas? Ouais, c'est ça. Mais vu que là je suis en quart. Oh merde. Ouf, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à me rattraper. T'inquiète, ça tient. Ça tient. C'est pas trop comment, mais ça tient. Voilà, et lui. Il y a bien un tuyau-poteau quelque part. Oui, regardez-moi ça, parfait. Parfait, donc là tout est alimenté. On va faire la petite sortie. Comment tu produis toi? 45, bah c'est parfait. C'est parfait parce que là-bas ça me demande 45. Alors on va faire un petit demi-tour. Que ça soit droit. Là, faut que ça rejoigne ça. Je vais voir si j'ai pas moyen de tirer autrement ça, parce que là, c'est pas très beau. Genre là, je peux tout simplement dire ça passe là, hein. Ouais, clairement. Hop. Ah. Ah, trop long. Là, c'est bon, c'est beau. Ah, c'est bête, il manque pas grand-chose. C'est propre, n'est-il pas? Ensuite, j'ai 45 x 5, 225. Produit 225 avec le reste. Quoi? Ah mais non, le béton, je suis à 15 par minute. Ah, je dis une bêtise. Attends, c'est tout? Avec 45 calcaires, tu fais 15 euros, c'est terrible. Je vais voir. Je vais voir de combien j'en ai besoin de béton. Par minute. 30 par minute. Ouais, c'est la production de 2. De 2.
Bon, je vais en regrouper deux, hein, j'ai pas trop le choix. Toi tu viens là et puis toi bah c'est moche hein. Oups, un peu loin. Et le reste, ça part dans un convoyeur. Un conteneur, pardon. Ça part dans un conteneur. Où je regroupe, j'en ai combien? Ah, j'en ai deux. Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Si j'arrivais à foutre un convoyeur là. Tellement je gagnerais de place, bah je serais pas mal. Ouais, mais non, ça devrait dépendre des. Voyons voir. Oui. Non. À moins que je foute ça en hauteur. Voilà. On va décaler d'un. Hop. Mis dans le bon sens. Quoi? Comme ça. Et. Ensuite, un dernier regroupeur. Sortie, elle est là-bas. Comment ça? Ah, il manque des tiges. Il manque une tige de fer. Terrible. Allez chercher ça vite fait. En espérant que je vais pas aller les chercher trop loin. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas mis un truc canalisé ici. Non? Ok. Alors. J'ai cru un instant, dommage. On va chercher les tiges. Ça va heureusement avec les décathlons là. Ma vitesse est plus qu'excellente. Alors je crois que c'est quelque part par là. Pas du tout, bah dis donc. On va faire, hein, voilà. Non, non. J'ai pris le convoyeur là, ça doit faire mal au genou hein, quand ça tape. Allez, allez. J'ai pas besoin de faire un deuxième en plus, je suis bête. À l'envers. Terrible. Terrible. Bon là je suis pas sûr que ça passe en vrai mais. Parce que ce que j'aimerais bien faire c'est ça. Quand il y aurait trop incliné. Ouais. Je
Pareil, je vais le faire reculer, je vais le mettre sur le côté. Je sais pas si ça passe là en vrai. Ça m'étonnerait. Hein. Je suis sûr que ça joue à rien. Ah, je suis sûr que ça joue à rien. Si je vais faire culer là, je suis sûr que ça passe. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah bah, je vais le faire encore plus reculer. Hein. Non, je vais pas le faire plus reculer en fait. On va être ingénieux. Il y a souvent meilleur que la solution de facilité. Ouais, on va voir, on est là. Non. Non. Là ça veut pas en plus. Wesh. C'est pas grave. On va le faire autre part. Faire là. Et... Ah, la hauteur est bonne là. Ouais. Bonjour, je voudrais juste placer mon... Hop, s'il vous plaît. Terrible. C'est terrible. Je peux y arriver. Allez. Yes. Ouh. On aura réussi. Pas facile, hein. Mais on aura réussi. Bien alimenté tout ce bazar, impeccable. Là c'est... Alors là par contre je sais pas du tout... Si c'est bon. Là bah il n'y a plus qu'à... relier un ici. Et relier l'autre. Ici. Ensuite, on relie ça. Oh non. Ils n'ont pas inventé le modifieur. On va le tourner. J'ai pas pensé quand j'ai fait, c'est pas grave. Ouais, c'est pas. Oula. Non. Terrible. J'arrive pas à me placer comme il faut. J'arrive pas à me placer comme il faut. C'est. Ah mais non! Oh, c'est le tapis qui m'a envoyé dehors encore. On va y arriver. Je ne m'avouerai pas vaincu aussi facilement. Voilà. Alors. On la refait, convoyeur. Sens, on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Oui. Pourquoi il veut plus? Wesh. C'est quoi ton problème?
Mais je me suis trompé de sens ou... Attends, c'est quoi son sens là à l'autre? Voilà, vu que ça arrive, on est bon. C'est quoi encore son souci, lui? J'avais réussi tout à l'heure, c'est de la tri... Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Pourquoi il veut absolument m'emmener dehors lui aussi? Alors. Ah oui! Ah, attends, mais je suis sur. Mais vraiment, je suis sur quoi là? Ouh. Bon, c'est terrible, hein, ça veut pas des fois. Il hein. Y a des jours où. Faire comme ça, hein. Voilà. Vraiment, on a tout qui monte. Jum 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 jum. Et là, ça alimente tout le bazar. Hop, la première rangée est alimentée. La deuxième rangée est alimentée. La troisième rangée est alimentée également. Fait que là on a deux rangées qui alimentent la production en béton armé, poutre en béton armé. Et ça on a deux qui alimentent un petit stock. Ok. On aura fait le béton. Non sans mal. On aura fait du béton. C'est bien au moins pendant ce temps-là, l'objectif de phase 2, elle avance pas mal. C'est l'avantage. Il me reste un dernier minéraux que je n'ai pas. Minéraux. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Le soufre. Le soufre, la bonne question, c'est où est-ce qu'il y en a? Je crois que j'en avais trouvé en explorant, mais c'était pas la porte à côté encore. Ouais, vraiment pas la porte à côté là. Ah la vache! Ah la vache! Ah ouais, non, c'est pas la porte à côté du tout, du tout, du tout, du tout là. En plus, c'est de l'impur, temporaire. Oh, vraiment là? J'en ai pas plus proche. Attendez. Pas le soufre. Alors, je sais pas sur quoi j'étais tombé. Ah non, j'étais tombé sur du charbon. Parce que je voulais faire plus de production d'acier. Oh, attendez. Alors, moi, je veux juste voir la distance hein, du soufre, hein, un vol d'oiseau. Putain. 2 km 3. 2 km 3. 2 putain de km 3. Ouais, ça c'est là où j'ai le charbon ici. Et encore plus loin, et pas qu'un peu. Oh la vache. Bon. Il va falloir que je me motive à aller en chercher. Hein.
2 km 3. Moi, je vais encore en avoir pour 3-4 heures à faire l'aller-retour, moi. Bon, en vrai, j'utilise pas vraiment le soufre encore, donc je vais attendre. Baisse. Oh, mais c'est quoi, c'est X. Ouais. On va attendre, on va savoir être patient. Voilà. Et pour être patient, rien de tel que boire un coup, un petit café le matin. Là, hop. Voilà. Ouais. Là, ça va aller. Hop. Voilà. Et je vais aussi attendre que l'objectif pour ça de phase 2 soit terminé. Qu'on puisse voir les possibles améliorations à faire. Donc, bon, la petite vanne était sympa avec le coffre. Je vais voir si d'ici le prochain épisode j'aurai eu la motivation, je n'ai pas d'autres termes, que de faire les 2300 mètres de construction, sachant que pour ça il va falloir de l'acier. Ouais, il va me falloir pas mal d'acier pour ramener tout. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour soit la construction de l'acier, soit la finalisation de la partie soufre. On verra en fonction de ce que j'ai à faire avec. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt, c'était Thiob. Ciao.